Bonjour, c'est Myrtille de Do It in Paris et aujourd'hui on va apprendre à accessoiriser des chaussures avec des vieilles boucles d'oreilles de grand-mère. Alors on a toutes en tête ces magnifiques chaussures de Sarah Jessica Parker dans Sex and the City avec ses chaussures bijoux. Voilà, donc on va essayer de faire à peu près dans le même style. Donc, on a besoin d'escarpins, de bouts ronds, de bouts pointus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils soient fermés. Voilà, pas d'ouverture, sinon vraiment ça va pas. Et ensuite, on prend des boucles d'oreilles clip, donc vintage. Donc plus elles sont kitsch, mieux c'est. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas franches. Enfin, j'ai pas de jolies boucles d'oreilles avec des perles ou des pierres. Mais bon, j'ai fait les fonds de tiroir. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est des boucles d'oreilles à clip. On en trouve partout, hein, chez votre grand-mère, dans les friperies, dans les brocantes. Enfin, vraiment, ça se trouve très facilement. Et puis ça coûte pas cher. Donc, vous mettez votre boucle d'oreille où vous voulez. Donc ici, ou ici, par exemple. Voilà, donc ça se fait à l'infini, hein. Tout dépend des boucles d'oreilles, des bijoux que vous avez, mais enfin voilà quoi, c'est vraiment... Finalement, ça permet de relooker des petites chaussures un peu simplettes qu'on utilise pour le boulot. Voilà, on met des petits pompons comme ça. Moi, je trouve ça assez mignon. Voilà, donc c'est une astuce vraiment rapide, pas chère et très originale qui vous permet d'accessoiriser à l'infini des escarpins classiques. Voilà, vous savez maintenant comment accessoiriser vos escarpins avec de simples boucles d'oreilles.